Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Steam sur PC. Premièrement, vous devez aller dans un navigateur dans votre PC. Et ensuite, vous devez rechercher Steam. Ok, rechercher Steam Download. Voici Steam Download. Cliquez sur rechercher. Ok, le voici. Cette première ligne, c'est le lien officiel de Steam. Voici Steam, the ultimate online game platform. Ok, donc vous allez juste cliquer sur cette première ligne. Ok, le voici. Voici le site officiel de Steam. Parce qu'il y a plusieurs sites, mais voici le site officiel de Steam. Ok. Et pour installer Steam, c'est facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur ce bouton de Install Steam. Ok, c'est sur Windows. Voici sur Windows. Mais si vous avez Mac, ok, si vous avez MacBook, vous pouvez également choisir cette icône de Mac. Vous devez juste choisir cette icône de Mac. Si vous cliquez sur cette icône de Mac, vous allez télécharger la version Mac. Ok. Sans télécharger, pour télécharger la version Mac. Téléchargement, ça a même déjà commencé. Ok. Donc, en cliquant sur Mac, le voici, Steam sur la version Mac. Ok. Mais on n'est pas intéressé pour la version Mac, donc on va cliquer sur cette première option qui dit télécharger Steam pour Windows. Donc, vous allez juste cliquer sur cette première option. Okay, le téléchargement est en cours. Ok, ça a déjà commencé. Et voici, on avait déjà téléchargé, c'est pour ça que ça met Steam et 1. Donc on a déjà Steam. On va juste cliquer sur télécharger et on va la télécharger. Ok, ouais, le téléchargement c'est terminé. Et maintenant, pour l'installer, vous devez juste partir dans vos fiches que les voici. Et vous allez trouver Steam. Que le voici, Steam, qu'on vient de télécharger. Vous allez juste cliquer au-dessus pour l'installer. Ok. Vous allez juste cliquer au-dessus pour l'installer. Que le voici. Donc vous devez juste suivre toutes ces étapes pour l'installer Steam. Ok. Et après avoir installé Steam, on va la lancer. Voici. Après avoir installé Steam, vous allez ouvrir l'application Steam. Et ensuite, vous allez créer votre compte Steam. Pour créer un compte Steam, c'est très facile. Vous allez juste cliquer sur « Vous n'avez pas de compte » et ensuite, vous devez créer un compte Steam. Ok. Donc, voici Steam qu'on vient de télécharger. Et au niveau du store, ici, au niveau du store, c'est là où vous allez trouver tous les jeux Steam. Ok, le voici. Voici les jeux Steam. Ok, le voici. Voici les jeux Steam que vous pouvez jouer. Ok, c'est les jeux que vous pouvez jouer. Certains jeux sont payants, mais il y a aussi les jeux gratuits. Donc, si vous partez sur cette option de catégorie, ok, voici. C'est l'option de catégorie, voici. Les jeux gratuits, free to play. Donc, si vous cliquez sur free to play, vous allez trouver tous les jeux qui sont gratuits.